1965, je me souviens d'une chanson et de deux anneaux d'or que nous portons encore et d'un petit garçon. 1965, je ne me souviens pas bien qui de nous deux partait et la mort de mon chien. Quelques années plus tard, on apprenait un soir qu'un chêne était brisé, qu'il n'avait pas plié, qu'il entrait dans l'histoire. 1900 juste après, je me souviens très bien la couleur des volets, les parfums du jardin. Une fille aux yeux clairs, un voyage aux enfers, une année difficile. 1970, c'est la première fissure. L'avocat, le palais et les lettres d'injure. En 1976, c'est la mort de mon père et cette impression folle que ses dernières paroles n'étaient pas les dernières. 1980 et les années qui suivent, c'est la fuite en avant, le combat délirant des plus forts qui survivent. C'est la fin d'une histoire, la moitié d'une vie, des années qui s'égarent et les jours que j'oublie. Je me souviens d'une chanson et de deux anneaux d'or que nous portons encore et d'un petit garçon. 1965.